Inge Morath est née à Graz, en Autriche, le 23 novembre 1923. Elle a étudié la littérature et l'art à Vienne, puis a commencé sa carrière de photographe en 1948. Elle a été formée par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, et a travaillé pour l'agence Magnum de 1950 à 2002. Elle est connue pour ses images sensibles, poétiques, qui capturent souvent l'humanité et la compassion. Inge Morath est décédée à New York le 30 janvier 2002. Légende de la photographie, elle a vécu une vie de photographe, autrice et journaliste particulièrement sensible aux cultures dont elle a croisé le chemin. Ses mots et ses images sont un trésor d'inspiration pour toutes celles et ceux qui aspirent à comprendre le sens de la photographie. Inge Morath dit ainsi « Je crois que la photographie est un moyen de communiquer avec les gens. C'est une façon de partager nos expériences et nos émotions avec les autres. » Cette phrase d'Inge Morath résonne puissamment à une époque où la technologie nous inonde d'images à chaque instant. La simple pratique de capturer une image va bien au-delà de la composition et de la lumière. La photographie est un média pour initier un dialogue. La puissance de la photographie se mesure dans sa capacité à établir une connexion avec les autres. Si une photo permet au spectateur de ressentir les mêmes émotions que son photographe, elle vient transcender sa nature technique et touche l'âme de manière très subtile. Ainsi, le véritable objectif ne serait-il pas de créer des œuvres qui parlent aux gens, de créer des photos qui génèrent une connexion émotionnelle entre le sujet, le spectateur et le photographe lui-même. Deuxième citation d'Inge Morath, « La photographie est un art de la vie. Il s'agit de capturer la beauté et la complexité du monde qui nous entoure. » La photographie est plus qu'une pratique technique ou une capacité à la composition ou à la gestion de la lumière. La photographie est une fenêtre ouverte sur notre existence. C'est un miroir sur la vie elle-même. Chaque cliché est une occasion unique de révéler la complexité de nos vies. Nos joies, nos peines, nos luttes et nos triomphes. La photographie interpelle, elle interroge et témoigne de notre condition. En déclenchant, nous documentons le monde auquel nous avons accès. Nous essayons de le comprendre, de le ressentir, mais nous essayons surtout de le partager. Cette phrase me rappelle mon deuxième séjour en Inde. Je me trouvais à Jhalawar sur un marché aux chameaux et aux chevaux qui se tient juste avant le festival de Chandravaga. Pendant une après-midi, toute la ville défile en tenue traditionnelle. Chacun pratique une danse, un instrument ou un art en marchant vers la rivière sacrée de Chandravaga. À la tombée du jour, dans une foule dense et pleine de ferveur, chacun fait une offrande de fleurs à la déité du soleil. Certains se baignent dans la rivière sacrée. La joie qui se diffuse dans cette procession est indescriptible. Les photos que j'ai faites ce jour-là sont pour moi parmi les plus précieuses de ma carrière. La photographie révèle la profondeur de l'expérience humaine. Inge Morath nous propose ici de produire des œuvres pour qu'elles soient de véritables miroirs de la vie. Inge Morath disait ainsi « Je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Je veux trouver des images qui soient à la fois belles et significatives. Le fond et la forme sont indissociables. » Une belle photo pour Inge Morath, c'est une photo significative qui a donc du sens. La photographie devient alors une occasion non seulement de représenter une réalité, mais également de sortir de notre zone de confort. Le but d'une image est de chercher constamment des perspectives nouvelles, des perspectives qui sont inattendues. Le but, c'est de transmettre un message, de partager une histoire ou simplement un regard sur son sujet. Cette pulsion d'amélioration rend la photographie unique et puissante. Cela nous rappelle que l'acte de photographier n'est jamais statique. Ça nous rappelle que nous devons aller chercher des photos, creuser pour trouver un sujet et être ouvert à l'aléatoire, l'inattendu. La photographie évolue avec notre propre expérience et notre courage artistique. L'œil et l'âme. Inge Morath disait ainsi « La photographie est un phénomène étrange. Vous faites confiance à votre œil, mais vous ne pouvez vous empêcher de révéler vos émotions et pensées secrètes. La photographie est une extension de notre regard, et donc de notre personnalité la plus profonde. Chaque cliché lie intimement le regard objectif de la caméra et la vision subjective du photographe. Cette dualité définit la puissance de la photographie. Elle est à la fois une quête d'authenticité et une interprétation très personnelle du monde qui nous entoure. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez qui compte dans une photographie, mais comment vous le voyez. Ce qui compte, c'est comment est-ce que vous interprétez ce moment à travers votre propre prisme émotionnel. Chaque image est un témoignage visuel, mais
aussi un reflet profond de notre propre humanité. C'est un reflet de nos aspirations, de nos émotions. On photographie qui on est. Le plaisir de la création. Ingeborg Rath disait ainsi, « Déclencher une photo est rester un moment de reconnaissance joyeuse, comparable à l'enchantement d'un enfant sur la pointe des pieds et qui, soudainement, dans un petit cri de plaisir, étend son bras vers un objet désiré. » Dans un univers saturé par la compétitivité dans les domaines de l'art ou du commerce, il est aisé de perdre de vue le bonheur pur et simple de l'acte créatif. Dans ce contexte où la photographie est souvent cantonnée à sa valeur commerciale ou à sa perfection technique, les mots d'Ingeborg Rath agissent comme une bouffée d'air frais. Il nous rappelle que la simple action de prendre une photo peut et doit demeurer un plaisir. C'est un moment d'émerveillement et de connexion intime avec notre environnement et avec nous-mêmes. J'ai eu la chance de voyager pour ma photographie et parfois j'ai eu une connexion avec un lieu qui se développe et qui devient puissante, charnelle. Je ressens une énergie merveilleuse à New York, peut-être à cause de son effervescence. J'ai trouvé ici, à Salvador, des gens qui sont totalement dans l'instant présent et qui montrent une générosité et une empathie infinie. Parfois, un endroit vous touche au cœur. Et vous ne savez pas vraiment expliquer pourquoi. C'est un émerveillement qui vient parfois de l'enfance ou d'une expérience particulièrement émotionnelle. Quand je reviens dans les marais salants de Guérande, je retrouve ce sentiment initial. C'est une invitation à réfléchir plus profondément sur le sens de notre pratique. Les photos que nous prenons ne sont pas de simples représentations visuelles. Elles sont le reflet de notre joie, de notre curiosité, et de notre quête incessante de beauté et de vérité. Voilà, l'œuvre et la philosophie d'Ingeborg Rath offrent une feuille de route pour une pratique photographique plus consciente et plus humaine. À travers ses leçons, Ingeborg Rath nous encourage à transformer chaque déclenchement en une forme d'amour, de curiosité ou de dévouement. Son héritage perdure encore aujourd'hui. Et si nous sommes prêts à écouter, à apprendre et à mettre en pratique ses enseignements, nous enrichirons notre propre art mais nous contribuerons probablement à un monde plus empathique et compréhensif. Ingeborg Rath a su utiliser sa photographie pour comprendre et célébrer la vie dans toute sa splendeur et sa complexité. N'est-ce pas là, finalement, la plus grande leçon de toutes ?